Vas-y, mets-toi là, mets-toi à ma gauche. Attends, laisse-moi me passer devant parce que t'es plus grand. Comme ça, on est à la même hauteur. Comme ça ? Ouais, un truc comme ça. Vas-y. Tu veux l'info ? Salut à toutes et à tous ! Attends, mais frère, laisse-moi être dans le cadre, non ? Salut à toutes et à tous ! Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode d'Aveugle en cuisine. Aujourd'hui, on cuisine des burgers. Des burgers ! Aujourd'hui, on prépare des burgers, mais pas que, on les personnalise avant tout. Comme vous pouvez le voir juste devant nous, on a une panoplie d'ingrédients. Alors que derrière nous se trouvent les ingrédients essentiels à la préparation du burger. Pendant la partie, on aura le droit chacun de nous donner un malus de 5 minutes à devoir cuisiner avec les grandes box. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas très marrant. Donc on aura les yeux bandés pendant tout le long de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Ouais, c'est parti. C'est parti, bon courage. Bah, on serre la main. On se sert la main, merci beaucoup. Bon, bon. T'as pas une poêle? Attends, mais maintenant on va commencer à faire. Ouais, quoi? Comment tu t'es où, bâtard? Dégage, j'ai pas trop de spatule. T'as plus de spatule, reviens là. C'est quoi ça? Quoi? Ah non, c'est la plaque de cuisson. C'est... Oh! Eh oh, attention, on prend un burger là. Oh merde, c'est censé. Arrête ça! Non mais comment tu veux que je me connaisse? Non, on a oublié de préciser que pour les raisons de sécurité, on n'utilisera ni couteau ni fourchette. Mais là t'es dehors la caméra? Bah oui, je lave la poêle. Attends, d'abord, là, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est encore chez moi, je sais où elle est la plaque, connard! Je ne sais pas si la poêle est lavée, j'espère qu'elle est bonne. Attends, je vais me rapprocher de la caméra. Quelle caméra? La grande. Pourquoi? Pour vous montrer la poêle. Frappe pas la caméra! Oh merde. Est-ce qu'elle est lavée ou pas? C'est à vous de me dire! Dans les commentaires! Si on arrive à rien casser, vu que c'est exceptionnel. Non, quoi? J'ai retrouvé la plaque, moi. Ah, c'est bon, je suis là. Oh, merde. Ils sont où les assiettes? Tu te débrouilles. Putain, mais pourquoi t'as remplacé au moins? Si on arrive à rien casser, mec, c'est exceptionnel. Normalement, t'es pas. Ah dégage, c'est le truc à pizza. Tu vas y aller un coup dans le nez, je suis bien mal. Je suis désolé, c'est cool, j'ai pas mal. Mais tu bouges pas, t'es prêt. Attends, tu veux le faire? J'ai peur. Plus fort. Evan, comment je sais si j'ai appuyé sur le plus ou le moins? Toi, moi j'ai mon steak dans la poêle. Ah déjà? Tu fais ton steak avant moi? Bah on le fait en même temps. Ah j'ai la spatule. Oh merde. Oh merde. Mais t'as pris mon steak? Et du côté gauche ou du côté droit? Moi je suis du côté droit. Regarde, je t'ai caché ton steak et ton pain. Attends, je te le redonne, tiens, je sais où ils sont. Ils sont là, tiens. Arrête. Oh t'es bon ton plat. On va chercher le beurre. Et où le beurre? Je l'ai caché. Non, non. Moi, c'est moi, j'avais mis par là. Ah ouais, bah tant mieux. Oh non. La beurre? Non, mais pas. Tu l'as remis dans le frigo? C'est chaud, ouais. Oui, c'est chaud. Tu l'as remis dans le frigo, le beurre? Je t'entends avec le beurre. Non! Si t'es dans la plaque, Evan, je te jure que tu... Dégage, tu fais quoi, frère? Ouais, je fais... Ah, là, c'est... Oh. Ouch. T'as mis où le beurre, frère? Je sais pas. C'est pas le beurre. Oh, ouais, elle veut... Comment on va faire? Ah, mais si, c'est bon, je sais qu'on va faire. Non, mais c'est que je l'ai dans les mains. T'as mis mon steak dans les mains? Oui. Attends, mais comment tu sais combien de beurre t'as mis? Je sais pas, j'ai tourné le beurre. Attends, y'a mon steak dedans. C'est à moi là. Oh là là. C'est mon steak? Putain, mais mon steak, faut le mettre. Evan, t'as pris mes pains? Non. Tu m'as caché mes pains? Non, je te jure, il faut montrer mon assiette. C'est le beurre? T'as laissé le beurre ouvert? Oui, j'ai laissé le beurre ouvert. Oh la plaque! Putain! Evan!
Oh, j'ai mes plans. Je peux mettre mes plans dans ta poêle. Fais gaffe, c'est très chaud. Non, je le laisse par contre. Je sais pas où est le steak. Tu le... Pourquoi ça chauffe pas, frère? Ah! Je vais faire le petit disclaimer de la vidéo. Vas-y. On tient à rappeler que cette vidéo n'est pas faite pour se moquer des aveugles. Au contraire, c'est pour montrer à quel point c'est compliqué au quotidien. Il a raison. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker cette vidéo. Sur la vidéo drone, il y a eu environ 200 et quelques vues. Et il y a que 30 abonnés sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10% de connards là. Non, il y a 90% de connards. Vous êtes des connards. Abonnez-vous. Voilà, voilà ma main. Mets-moi mes pains dans ma main. Je veux pas des côtés chauds, c'est bien. Ils sont là. Attends, attends, tu les as pas foutus à côté quand même. Je vais les là. Tu vas faire ça les pas pour moi. Putain, tu les as foutus à côté. Putain, tu les as sortis. Quand même en con, mais qu'est-ce que j'en sais moi? Il y en a un qui est chaud, l'autre est froid. Attends. Bon bah tant pis, hein, je fais pas chaud. Voilà, bon, je cherche le ketchup, tu l'as pas vu. On peut prendre un couteau quand même pour étaler la sauce, je vais pas prendre la sauce au doigt. Ah, je l'ai cramé là. Le ketchup, mais le ketchup il est devant moi, mais de l'autre côté. Ah vraiment? Qu'est-ce que tu fous? J'essaye de trouver le ketchup. Oh je l'ai! Oh je l'ai le ketchup! J'ai vu. J'ai quoi? Moi, le cœur, faut être allé sur le cœur, savoir. Tu l'as mis où le torchon que j'avais mis dans les poches? C'est pas touché. Et comment je l'ouvre cette merde? Mais putain, mais! Oh, vas-y. C'est vrai que tu kiffes. C'est vrai que tu kiffes. T'es vrai, excusez-moi, un flingue sur la tête. Tu le sens? C'est vrai que tu kiffes, d'accord? Oui. C'est vrai que tu kiffes. C'est quoi? Je ne vois pas. Random disclaimer. Ah, ça, c'est le sel. Moi, je vais faire un tour de table pour changer les sous de la main. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as. Evan, tu m'as foutu quoi si on me parle là? Comment? Tu m'as foutu quoi? Attends. Ketchup. Ah oui, j'ai un peu appuyé sur le ketchup quand j'étais très fort. Y'a son steak encore dans la poêle? Ouais, j'espère là. Je vais faire un. J'en ai une poêle chaude dans les mains. C'est quel truc de plaque qui est allumé? C'est en haut à gauche? Je crois. J'avoue, j'ai pas encore touché les places. Puis, arrête de soucier mon truc. Mais je cherche des sauces. T'as pas des bonnes sauces? Oh, j'ai un truc. Ah, mais ça bug. C'est le temps. Oh putain, c'est quoi ça? Evan. Connard. Quoi? Tu me veux pas. Oh, wow. Mais reste, c'est pas moi. Ah bon? Ben, je vois pas comment j'ai pu faire ça. Je sais pas qu'il y en a plus. C'est un pour me faire excuser, même si c'est même pas moi. Attends, mais en plus, j'ai monté quelqu'un. Evan, la poêle bouge. Evan, la poêle. Attends, parce que c'est chaud. Eh, hey, t'as pas encore à brûler. Evan, t'es où? Ah, oh, j'avance. Tu l'as un plaisir, la poêle. Je crois que j'ai bien dit. Vas-y, je vais me retoucher. Ah, là, non. Putain, mais tu l'as mis où le? Ah, il est là. Torchon, ouais, c'est bon, j'ai tout. J'ai trouvé la roue de vanille. On a très vite l'écarté. T'as pas vu un photo? De quoi? C'est, on avait dit pas de photo. Mais j'ai dit, je vais pas faire les sauces à la main. C'est hyper dangereux et t'es irresponsable comme mec. Il l'a. Mais allez. Ah! Quoi, ici? Oh, ça pique sa mère! Ça pique! Tiens, qu'au bout des doigts, ça pique, frère. Evan, je sais pas combien d'épices tu m'as mis. Evan, il y a pas de sel, c'est la bonne. Evan. Ah putain, moi aussi, faut que je mette du fromage. Evan, j'ai essayé de prendre le deuxième fromage, je l'ai touché. Evan, c'était pas du fromage, c'était du sable. Combien tu m'as mis d'épices, je ne sais pas, mais tu m'en as mis. T'en as pas mis autant. Evan, je me suis léché les doigts, j'ai la gorge qui pique. Tu m'as mis des épices. Et qu'est-ce que c'est que ça? Donne la spatule. Et pourquoi t'as des pleurs, frère? T'as un drame ou quoi? T'as fait enculer, non? J'ai rien fait en plus. Bah, je suis pas mal. Mais c'est pas dans le steak, ça. Je remets la spatule. Ah, c'est chaud, mais ta mère a pu! Je suis désolé. Je remets la spatule dans ton assiette. Comment ça, dans mon assiette? Mais faut qu'il y ait la salade. Comment donnez-moi qu'il y a la salade? T'as mis où la salade? Dégage. Ah, c'est chaud, sa mère! Mais tu touches quoi? Tu sais ce que j'ai voulu faire là? Quoi? Moi quand j'ai récupéré mon fromage tout à l'heure, j'ai fait tomber ton piment. J'ai touché ton piment avec mes mains, j'ai voulu le mettre dans ton assiette, il est tombé dans la poêle. J'ai essayé de rattraper avec les doigts dans la poêle. Putain, les salades de ton sang. Ok, c'est parti pour la dégustation. Mon frère, bon appétit. J'ai remis de la salade dedans parce que la salade c'était mal. T'es prêt? Mmh.
fais un petit goût de citron, c'est normal. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Moi, le mien, il est banger. Bah, le mien aussi, il est giga banger. Mmh. En vrai, pour mes doigts, c'est bon, hein. Ouais, mais c'est épicé, s'il te plaît. Mais c'est ton truc qui s'est barré, parce que bah, frère. Oh là. Tu mets du piment? Il y a un moment où il est passé dans ton barrière, hein, de toute façon. Tu sais ce que j'ai fait? Mmh. Tu l'avais ressorti de la poêle, le truc? Mais bon. Bah, après, j'ai rentré dedans, j'ai essayé, et après, ouais. Hein. Parce que tu sais que quand tu faisais cuire ton steak, ouais. J'ai pris de la sauce piment que j'ai fait. Ah, c'était ça! Et en fait, c'est quand j'ai commencé à la mettre, ça, déjà ça fait masse de bruit, mais ça a commencé à me sauter dessus et ça m'a fait super mal. Du coup, je me suis barré sans crier. Waouh! Mec, c'était peut-être l'épisode le plus marrant à faire en vrai. Ah ouais? Ouais, le gros gigazané. Oh, oui, le piment. Ouais, c'est pas pimenté, c'est bon. Hein. Pour une année, je kiffe le goût, genre. Ouais, je peux goûter? Vas-y. Ouais, on fait comme dans les films. Oh, je sens un peu le piment. Non, faut que je prenne le tien, je prenne le mien. Ouais, je te tiens, il est trop bon, frère. Pourquoi il y a plus de malin, trop bien. Bah ouais, moi, je trouve ça bon. Oh, t'as pas mis le sel, hein. T'as vu le nombre de biches qu'il y a dans le chat, frère? T'as pas mis de sel, toi, sur ton steak? Bah non. Moi, j'en ai un peu mis. Ah, parce que, bah, de toute façon, moi, j'ai fait mon steak après les pains. Quand il y a eu le nombre de biches que j'ai mis sur mes... que t'avais mis sur mes pains, j'ai pas mis plus de sel, hein. Comment t'as fait ton... fromage. C'est toi qui as fait ce massacre ou c'est moi? C'est moi. T'es sûr? J'ai pris du lardamer, je l'ai coupé en 4, j'ai fait comme ça, pour arriver au steak, une fois que j'étais arrivé au steak, j'ai fait hop, j'ai posé le fromage dessus. Sauf qu'en essayant de le prendre, en fait, j'ai pris trop sur le côté, du coup il s'est retourné, et du coup ça a laissé la moitié avec le piment dedans et je suis sûr de prendre. Je crois que c'est moi qui ai fait le carnage aussi, hein. Ah ouais? Parce que j'ai pris du lardamer direct comme ça, et j'ai tout mon steak dessus. Ah bah oui! Et c'est quoi ça après? Oh, le nettoyage est très bon. Ah ouais, oh plus. Oh. Profite. Ah bah venez toi! Bah ouais. Ouais, t'es bien bien. T'as pas trop le goût de citron? Non. Tu vois, au début, moi, tu m'as dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Sur mon steak? Ouais. Ton blanc dedans. Hein. Un petit coca? En fait, non, je sens le cul pas. Ouais? Je le sens. Ah, mais c'est pour ça que t'es grave épicé quand j'ai fait une bouchée, j'ai dû en prendre plus.